Salut à tous et bienvenue dans la suite de Uncharted Drake's Fortune. Enfin bon, la chance de Drake, je sais pas. On a retrouvé la salle des machines pour activer le courant. Il doit y avoir un truc à tourner. Ouais, voilà. Et bien évidemment, on doit faire face à ces bestioles dans l'obscurité. C'est magnifique. Dieu soit loué. C'est juste le bruit du générateur, ça va, j'avoue pas. Ah oui, ça ouvre des portes, du coup. Oh, merde. Vous êtes nombreux. Y'en a d'autres? Oh, putain. Non. Voilà. On commence bien l'épisode, en mourant. Ah, là, ça devient un peu chaud, quand même. On recommence. Non, pas le flingue, pas le flingue. Où ils sont? Je sais plus. Je les vois plus. Là. Alors, ce qui est bien, c'est que si on est relativement près d'eux, ça vise un peu tout seul. Et ça vise bien. On ramasse les munitions. Tiens-toi. Et on a une sacrée giflasse. Donc, pas trop près pour pas prendre de gifles. Mais un peu quand même. C'est bon. Bon, on peut avancer. Ça fait tirer peut-être plus de balles. Je sais pas où aller. Mais Je prends les grenades. Ça fait peut-être tirer plus de balles, mais ça nous permet aussi de moins avoir à gérer. Je sais pas du tout par où passer là. En plus, j'entends un million de bruits en même temps. J'arrive pas à me concentrer. Bon, on a l'air de les avoir dégagés. J'ai eu aucune sortie en fait. Alors, il y a peut-être un truc que j'ai loupé. On peut peut-être sauter. Ah, mais non, faut activer ça, quel con. Coucou! Donc, on a ouvert une porte à l'intérieur. Il est déjà là. Oh là, le salaud. Oh non, recharge. Il me respecte, il a peur. Respecte mon autorité. Restez dans la ligne de tir, vous avez raison. Regarde, je fais un petit tas. Putain, c'est un truc de fou, vous êtes combien? Vite. C'est bon? Y'a plus la musique. Y'a que là. C'est bien, y'a plein de munitions par terre. Ils sont généreux. Je veux juste m'assurer qu'il n'y ait personne parce que sinon ça va être problématique. Ok. Par où est-ce qu'on va? Ok. D'accord. Où est cette porte? Elle est marquée d'une lumière. Je peux la voir de là? Ok. On a l'air d'avoir remis le courant un peu partout. Oulala. Putain, t'es pas sérieux là. Attends, je m'en vais. Je me laisse arriver. Ok. Ce n'est pas une bonne idée de progresser avec tous ces monstres. Bien. J'arrive au même endroit. Yes, oui, c'était ça.
Là, j'aurais dû, parce que ça aurait enclenché la cinématique, mais en vrai, s'il me tombe à 150 dessus... C'est pas possible, quelle journée pourrie. Oui, qu'il dis-tu. On en vient, on les a tous butés, ok. Oui. Attends, il y avait un 10 ici, je reviens. Ah, ces trucs ont dû s'occuper de leur sort. C'est... Ouais, ok. D'accord, ça sert à rien, merci. Comment je vais sortir de là? On suit les lumières vertes. Non. Il a rangé son arme. Il est détendu. Il y a des monstres et il a rangé son arme. Moi, il y a personne, je garde mon arme dehors. Ah, c'est l'Eldorado, non? Qu'est-ce qu'on cherche? Ouais, ça ressemble à des nazis. Hein. Ah, ils seraient maudits? Ma fin est proche. Les démons me traquent dans les ténèbres. L'or de l'Eldorado porte une terrible malédiction. Ouais, voilà. Les Espagnols ont libéré les enfers et en deviennent les suppôts. Mes hommes ont tous été assassinés, me laissant seul avec notre quête. Aucun navire ne quittera cette île. Je les ai tous détruits et j'ai noyé la cité maudite. Un mal si terrible ne doit jamais quitter ses rivages. En cet instant ultime, je remets mon âme à Dieu. Qu'il pardonne en cet endroit maudit. Francis Drake. Mon Dieu. Eh ouais. Oh non, c'est oh pas non, vrai. Pas encore. Où ça, je vous entends. Sale gif qui m'a mis. Vas-y, tu sors. Recharge. Ok. C'est bon, j'ai rechargé. Pas rester. Faut vraiment bouger. Parce que eux. C'est bon? J'ai vu des munitions. C'est bien ce petit ciné, maintenant du coup on s'est mis dans la merde, hein. Bravo, bravo Drake. Est-ce que... Non, suivez les lumières vertes. Parce que je me demande si je viens pas de là en fait. Il a re-rangé son arme. Attends, je veux juste... être sûr de pas me tromper. Bah, je suis arrivé, Oui. Voilà. Quoi? Et voilà, j'avais fait demi-tour. Je me disais, la lumière verte, je la reconnais et tout, il y a un problème. On referme, non? Lumière verte, hein, toujours. Super. Qu'est-ce que c'est? Un autre gun. Bon, on va prendre lui. Elle était là, non? Et voilà. Vous m'entendez là-dedans? 5 sur 5, enfoiré. Oh, pas de micro de votre côté? Quel dommage. Nate! Sorry! Laissez-la tranquille, sale fils de... Ah!
Navarro, si tu n'arrives même pas à contrôler une pauvre fille... Ça n'arrivera plus. Croyez-moi. Désolé pour cette interruption. Je voulais juste vous dire merci pour nous avoir menés à Eldorado. Bien sûr. Oh, vous ne m'en voudrez pas si nous... Gardons Mademoiselle Fisher un peu plus longtemps. Juste pour vous décourager, vous et votre partenaire, d'être trop créatifs. Adieu, Nate. Ce fut un plaisir. Ouais. Rigole, trou du cul. C'est pas fini. C'est vrai. Ils arrivent. Oh merde, c'est pas bon ça. Après les monstres, les mercenaires, super. Putain. Je suis sur la mauvaise porte. Oh mais t'es pas mort toi. Ok. Le lâche pas des yeux. Là. Ici. Quelqu'un ? Je l'ai déshabillé. Super. Non, je vais garder une traite. Dutch Qualitat. Mais jamais tu meurs. Quelqu'un qui tire derrière lui. Putain, mais je leur ai mis un chargeur. Regarde, il sait pas où il est. Ok. Oh putain, ah oui, là, c'est pour ça qu'il tire derrière lui. Ah, ma M4, le retour. T'es où? T'es tout en haut? Oui! Putain, foiré de merde. Ok. Ah, c'est la merde, là. Les mercenaires, les monstres, merci. Ouah! Putain! J'arrive pas... Ah non! Je saute dessus. Non, il va me tuer. Il est où? Casser les couilles. Toi, qu'est-ce que tu m'emmerdes? T'es où encore là? Eh ben, oh, il m'a bien saoulé. Lui. Eh ben, c'est un peu la merde, hein. Vous le cache pas. Pour moi.
c'était un très mauvais lancer. C'était un très mauvais lancer. Ouvrons l'œil. Voilà, j'ai l'œil. Attention, à l'abri. Il est mort, lui. Oh merde. Ah, il leur faut deux hitshots, hein, c'est pas cool. Hein. Oh putain. Ah, t'abuses. C'est peut-être bon là, non? On va finir par s'aimer les uns les autres, bordel de merde, j'ai plus de balles. Ok. Ok. Ok quoi? Snipe là. Allez. Putain. Plus de munitions. Dites-moi que c'est fini. Dites-moi qu'on s'en va. Ouh, on est sorti d'ici. Je n'en pouvais plus. Sully, tu m'entends? Fais chier! Sully, réponds! Ah, mais Sully, c'est bon, il y a un truc avec lui. J'arrive! Ils retiennent Elena, faut qu'on les arrête! Ouais, moi je suis dans la merde! Ces salopards m'empêchent d'entrer dans l'église! J'y suis presque! Et moi j'ai juste dû affronter des zombies, des mercenaires, parfois tout en même temps. Oh. Mais j'ai 9 balles, ah non, ça m'a rechargé. Ah. Ça s'est abusé, ça. Sacrément abusé. Ah, flûte. Ah, oh. Ah non, il y a un mec sur le toucher, je vais pas réussir à la voir du coup. Putain. Ok. Tu vas regretter. Mais sérieux, je le vois même pas. Je vois que ça vient de là, mais je sais même pas qui c'est. Faut qu'on les arrête, celui, ils savent pas ce qu'ils font. Qu'est-ce que tu... Je ne sais pas comment, mais cette statue a décimé cette colonie. Et elle a anéanti les Allemands. Oh, oh, pardon ? Pas le temps. Allons à l'église. Pfiouf. Bon, ben, j'ai des grenades, moi. Merde, il y en a partout. Recule, Sully. Oui, Sniper Dragon. Okay. Trop balle. Il faut que je tue les snipes d'abord, plutôt. Ok, et il y en a un autre. Tant pis, on va avancer. Oh non, je t'ai raté. Il y avait ma M4 par terre. C'est sérieux. Combien vous êtes? Hitshot pour toi. Hitshot pour toi. Okay.
C'est pas si, putain, je me retrouve encore avec plus de balles. Attends, là. Où es-tu, mon petit? C'est bon, dans la lutte. Allez. C'est bon. Je veux bien un flingue. Pas ici. Le voilà. Ok. Ok. Ah merde, ça m'a pris ma... Par ici. Je tiens l'ordure. Oh, ça rebondit. Tu meurs, oui. Attendre. Amenez-vous. Ils sortent d'où? Oh putain, il y a encore des casse-couilles là. Ils sont nombreux, hein. Faut vraiment que je bute ces casse-couilles en priorité. Ok. Donc je pense avoir tué à minima déjà 50 personnes avec presque toutes les armes du jeu. Ouais, super. Ah, je suis bloqué. Et j'ai une balle. Il est là. Par ici, Sully. Il doit y avoir un passage secret sous l'hôtel. Et il doit y avoir des tonnes de munitions de M4. Parce que putain. Alors, un passage secret sous l'hôtel, bah allons-y. Oups. J'ai appuyé sur triangle. J'ai pas fait pause. Nom de Dieu. Wow. Allez. De l'or et des os. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe? Bah non. Drake ne voulait pas emporter le trésor, Sully. Au contraire, il essayait de le retenir ici. Quoi? Il est maudit, c'est pas possible. Oh Nate, nom de Dieu. Écoute, je sais que ça a l'air dingue, mais tu dois me croire. Là. Je cherchais comme un taré à avancer. S'enfonce toujours plus profondément. La dernière fois qu'on s'est enfoncé profondément, on a rencontré un peu ok des trucs pas très sympas, et là on continue. On sait que le truc est maudit, mais on y va encore. Moi je vous comprends pas. Oh, mon sang. Wow. Ah, il est là, trop cool. Vous devriez pourtant savoir que je suis paré à toute éventualité. Lâchez vos armes. Là-bas. Pas de bêtises, je vous en prie. Ou bien je la tue. Bien. Maintenant, si vous le voulez bien, nous serons à vous dans un instant.
C'est magnifique. De toute beauté. Je n'avais rien vu de tel auparavant. C'est qu'une enveloppe. Le véritable trésor de l'Eldorado se trouve à l'intérieur. Ouvrez-le. Observe bien. Adios, jefe. Trop terre à terre. Bajen la red! Bajen la red! Navarro, cette chose a exterminé toute une colonie. Tu sais pas ce que tu fais. Faux. Je suis la seule personne sur cette île à savoir exactement ce qu'elle fait. Carguela, est à toi. Cuidado. Et tu vas être très très méchant. Vous êtes tellement pathétique à vous chamailler pour votre cher petit trésor. Connaissez-vous au moins la véritable valeur de ce trésor? Levantenlo. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a plein. Génial. C'est pas vrai, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Les Espagnols, ce n'est fidèles au poste. Sullivan, cette chose ne doit pas quitter l'île. Il faut l'arrêter. Vas-y, je te couvre. Je te couvre. Ok. Il fallait pas descendre. Parce qu'il a l'air d'être parti. Ouais, vous voyez, par là. Et il faut donc que je descende. Alors, pas dans l'eau. On l'aide un peu. Ok. Il est un peu nul, celui-là. Ouvre mon cul. C'est quoi ces trucs? Putain, il y a des... Non, je veux bien position. Je vais mourir. Je vais mourir. Je ne veux pas mourir. Ah oui, ça c'est vraiment pas de bol. Je sais piloter. Oui, ça va. Oh la vache. Ça va pour Helena? Là, peut-être pas. Hein. J'ai pas de grenade. Ah mais j'aime pas le pompe, c'est un peu nul. Allez, on va le voir. Coucou. Il est mort. C'est parti. Ouais, je préfère la mitraillette. Ah, non, 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 non. Reprends la mitraillette.
très gentil de venir ici, il va se cacher. Ah putain! Il faut lui tuer ses potes et après il s'en va. Il est parti là. Est-ce qu'il y a un mec qui arrive? Allez, allez, je les ai. C'est bon, il s'est barré. Ouais, faut que je me heal de toute façon. Faut que je recover un peu. Bien. Ok. Et voilà, j'ai toutes mes munitions. Allez, impeccable. Ok. Oui, oui. Je peux lui tirer dessus ou... Oh la vache. Mais t'es pas mort ou... Ou y'en a un autre? Ouais, il a pas l'air de craindre les balles. Bon, c'est pas grave, c'est qu'il faut, il faut que je le suive en fait. Je peux pas le buter. Vous pouvez plus vous planquer. Aïe. Et merde, quoi encore? Faut qu'on se rapproche. C'est un homme mort, mec. T'es à droite. Cache-toi. Ok, comme ça clignotait, je croyais qu'il fallait que j'appuie plusieurs fois, mais en fait non. Je t'ai fait défoncer, Drake. Ok, faut faire que des gros combos. Enlève-lui le gun, juste au cas où. Yes! Ouais, on l'a terminé. Alors, j'ai mis facile sur la fin pour que ça avance beaucoup plus vite, parce qu'il y avait trop d'adversaires. Vraiment. J'en avais marre, j'ai tué l'équivalent d'un pays entier, c'est bon. Du coup, il reste 3 femmes pour repeupler... Enfin, 3 femmes, non. Il reste plein de femmes, mais 0 hommes pour repeupler, évidemment. Adios, enfoiré. Ben voilà. Oh. Quelle journée. Bah ouais, sauver le monde, vaincre le mal. Normal quoi. Ah bien sûr. Dommage de devoir partir les mains vides. Oh, au fait, j'ai réussi à sauver une petite bricole. Tiens, je me suis dit que ça te manquerait sûrement. Merci. De rien. Vu d'ici, vous êtes vraiment trop mignons tous les deux. Salé. Eh ben dis-moi, t'as une de ces têtes? Dis donc, tu t'es pas regardé. J'ai trouvé un bateau. Mais on a déjà un bateau. Ouais, un gros bateau. Moi je préfère celui-là. Celui était vraiment incroyable. Je l'ai piqué à 2 pirates qui étaient un peu morts, alors ils ont pas pu râler. Oh.
Je suis désolé pour ton article. Oh, t'inquiète pas, il y aura d'autres cases. Tu me dois toujours quelque chose. T'inquiète pas pour ça. Et ben voilà un truc qui une histoire qui finit bien. On a quand même soulevé. Bon, c'était cool, hein. On fait un petit test rapide. Bon, direction artistique, c'est vraiment cool. Ça reste même encore très joli pour. Alors, ok, c'est un remaster PS4, mais ça reste encore très joli pour 2024. Qu'est-ce que l'équilibre entre énigme, gunfight et exploration n'est pas incroyable. Il y a énormément de gunfight et ça dure des plombes de tuer tous ces mecs. Tu dis, mais comment ils ont pu réunir autant d'hommes? Il faudrait que je regarde s'il n'y a pas des stats à la fin pour savoir combien de personnes j'ai tuées, mais vraiment, vraiment beaucoup trop. Bref, voilà, c'est le petit défaut de ce jeu pour moi, c'est plutôt ce côté où les gunfights sont interminables parce qu'il y a trop de mecs et puis ils sont trop costauds. Une balle, normalement, ça suffit, mais bon, là, visiblement, il en faut 5. Bref, un bon jeu, quand même, avec une histoire cool et un peu courte, comme on l'a vu. Mais ne vous inquiétez pas, parce qu'on va enchaîner le 2 et peut-être le 3 si on est chaud, afin de découvrir la suite des aventures de Nathan. Merci d'avoir regardé ce Let's Play et à bientôt pour un prochain Let's Play sur la chaîne. Ciao !